Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Et tout de suite, on va faire l'interview express. Jingle la famille. C'est l'interview express. C'est l'interview express. Ça va aller vite, ça va aller vite. Merci la famille. Alors Frédéric, peut-être qu'elle... Alors ce qu'on va faire, c'est que comme Sophie est là, oui. Frédéric, là la c'est garde, très... ma grande blonde. C'est très simple. Les filles vont te poser des questions tous azimuts, Frédéric, et tu as une minute chrono pour répondre à un maximum de questions. C'est des réponses courtes. Hein. Ils vont te poser oui, non, pourquoi, nana. Et si t'as un joker que t'as pas envie de répondre, tu peux donner le micro à Sophie. Sophie. Comme ça, voilà. Hein. Juste un joker. Un joker, deux jokers, trois jokers et tout. Hein. C'est... Voilà, là tu vois, t'es le joker intégral. Voilà. Les filles, vous êtes prêtes? Oui, on y va, Elodie, Sarah, Lara Roux. Attention pour l'interview express de Frédéric Edenstein et de Sophie. Top chrono. Frédéric, tu es nostalgique de la grande époque du cirque? À vrai dire, j'en suis pas nostalgique parce que la grande époque réponse du cirque... Réponse courte. Hein. Ah pardon, elle existe toujours. Elle existe toujours. Elle n'a pas disparu. La disparition du cirque traditionnel, c'est juste en France ou c'est mondial? Elle n'a pas disparu du tout. Le cirque traditionnel n'a pas disparu. Au contraire, sur 15 millions de spectateurs, il y en a 14 millions qui viennent dans un spectacle de cirque traditionnel. Sarah. Le projet de parc est une bonne idée selon toi? Oui, bien sûr. Ça sera en plus du cirque itinérant, une possibilité au public de venir voir le parc d'attractions Panerland. Nickel. Tu vis en nomade depuis combien de temps maintenant, Frédéric? Toute ma vie. J'ai suivi une scolarité normale, mais je suis né au cirque. Combien de représentations au total? Oula, c'est énorme. Difficile à dire, mais c'est énorme. On fait 2-3 spectacles quotidiennement en travaillant pratiquement tous les jours. Là, non, maintenant, il sort la calculette, il va falloir attendre. Marié ou avec des enfants? Ah, marié avec des enfants. Ah oui, marié. On a 2 enfants tous les deux et on est un couple recomposé avec 12 ans d'amour et de fidélité. Bravo. Magnifique. Oh, tu voulais dire Frédéric Edenstein, la famille. Oh, yes. Sophie, vous voulez dire quelque chose? Voir les comédiens, voir les magiciens. J'adore. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.